coucou la team ailleurs. Bon, je fais une petite vidéo. Je pense que il fallait faire une petite vidéo spéciale pour ce moment spécial. Voilà. Bon, c'est la fin de la team ailleurs. Ça, je vous cache pas que ça me fait vraiment bizarre d'apprendre ça. Donc là, je suis sur mon bateau. Enfin, c'est pas le mien, hein, bien sûr. Mais voilà, je suis sur le bateau. Je voulais faire une petite vidéo spéciale pour. Voilà, pour cette triste nouvelle, on arrête cette aventure. C'était dommage, c'était vraiment une très belle aventure. J'ai toujours essayé d'être le plus, comment dire, de faire le plus actif sur la team ailleurs, d'essayer toujours d'envoyer des petites vidéos, toujours pour faire marcher la chaîne et pour encourager notre cher Mimo, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cette petite aventure et cette belle découverte de tous ces gens qui ont été vraiment magnifiques. Alors ça me fait un peu, je cache pas que ça me fait un peu chier quand même que ça s'arrête. Mais c'est comme ça, c'est normal, on peut comprendre. Notre capitaine, à un moment donné, voilà, c'est normal, on comprend qu'on est fatigué, on comprend qu'on n'a plus toujours la motivation, c'est totalement normal. Et en attendant, je voulais juste vous souhaiter à tous bon vent pour la suite. Et puis, du coup, on reste en contact, hein, bien évidemment, on reste en contact, ça c'est sûr. Mais je sais qu'on reviendra, on reviendra. Il y aura la route du Rhum, il y aura tout ça, on reviendra. Et je pense que la team ailleurs n'est pas morte, elle est juste en stand-by. Et je suis sûr qu'on reviendra tous. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous souhaite à tous. Tiens, regarde mon Mimo. Hein? Hein? Petit coucou spécial, tu reconnais. Et puis tous ceux qui savent, comme toi, ils ferment là physiquement. Tu sais de qui c'est ça, mon Mimo. Merci à toi en tout cas. Merci à toi pour tout. Et. De toute façon, dès que je suis sur Saint-Malo, je t'enverrai un message pour si on peut se voir enfin, parce qu'on s'est jamais vu en vrai. On s'est toujours parlé en virtuel depuis des années, ça fait 3 ou 4 ans maintenant. Et voilà quoi. En tout cas, merci pour tout, merci pour cette belle aventure, merci pour les autres aventures avant, les Cup Mimorabu, la team Mimorabu et la team. C'était quoi la première, la deuxième? Ah, je sais plus. Enfin, en tout cas, toutes ces teams-là, hein, toutes les teams, toutes les courses, tous les routes du Rhum, les Vendée Globe. Enfin, bref, voilà. Ça fait 3 ans, 4 ans. Ça me fait un petit peu, voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est le choix de Mimo et on le respecte. Et je pense que personne, c'est important que personne reprenne, parce que c'est l'idée à Mimo. Et on respecte le choix qu'il arrête ou en tout cas qu'il se met en pause. Parce que je connais Mimo. Il a déjà fait des pauses. Il reviendra. Il reviendra, on le sait, notre Mimo, il reviendra. Quand il y aura une grosse course, il aura la motivation. Mais moi, ça me va, s'il y a juste les grandes courses, et on fait les grandes courses. Et puis, c'est ça qui est important. Le principal, c'est qu'on reste en contact tous, parce qu'on s'est fait une belle petite famille, je trouve. C'est très sympa. Et en tout cas, voilà, merci à tous. Il y a des gens qui me viennent en esprit, là, comme ça. Willow, bien évidemment, le soleil de notre équipe. Donc petit Willow, merci à toi. La Simonaire, on a bien rigolé, bien évidemment, c'était pas méchant. Gigi, Momo, le boss, bien sûr le boss, bien évidemment. Le boss Valentina, bravo encore, elle a fait une belle course encore. Hein, pour son petit retour là, belle course. Mais en tout cas, tous ces gens-là, tous ceux que je ne cite pas, mais en tout cas, tous les gens qui ont fait cette team ailleurs et les autres teams avant, je voulais vous faire... un au revoir et des gros bisous et salut la famille, à bientôt. Je sais qu'on va se retrouver sur les pontons et sur les courses virtuelles. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Allez, ciao la team. Merci mon Jérôme, très émouvant le message. Mais c'est quand tu as l'impression que tu as fait vraiment le tour. Et là, j'ai donné hein, 4-5 ans, je sais pas combien, 400 vidéos. On pourra pas m'enlever ça. En tout cas, ça a été génial, mais c'est pareil, on ne sait jamais. On ne peut jamais dire, oh, c'est terminé. Bon, non. Comme hier soir, j'ai voulu dire que l'ignorant, il sait tout. Il sait tout, toujours par cœur, il est sûr de lui. Le savant, il réfléchit. Il doute. Alors que le merde, je ne sais plus lequel qui réfléchit. Bah si, c'est le sage. Le sage, il réfléchit. Et Michel est sage. Allez, mon Jean-Claude, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon été. Regardez un petit peu le barbecue. Beau barbecue, hein. Oh, il pleut, j'attends Jean-Claude qui va arriver tout à l'heure. Ça va chier, je peux dire qu'on va chanter, c'est Jean-François de Nantes. Sur le bord de la Tamise, deux Anglais se promenaient. Ils étaient à bras de chemise, quand l'un d'eux se mit à dire « J'ai les morpions qui me grattent les couilles, j'ai les morpions qui peuvent pas m'empêcher. » Ouais. Oh, ça, il doit connaître, notre cher ami Renan. Bon week-end, bon été.
La boucle est bouclée, mais de toute façon, voilà, j'espère que je ne nique pas le son avec mes doigts. Je vous fais un gros kiss. Et surtout, ce que je voulais dire, que je remercie ma fille pour toutes les intros qu'elle m'a fait les dernières du toutes les dernières avec voilà toutes les dernières avec le Vendée Globe et tout ça, c'est génial, c'est monté en puissance, je trouve ça génial. Bon, voilà, bon, après on espère toujours un peu plus et c'est normal, et si on est plus motivé, et ben voilà, faut, c'est dur hein, de trouver des gens pour les motiver alors que c'est toi qui fais le boulot, qui fournit tout, c'est dur hein, faut y penser quand même. Je vous fais un gros kiss, c'est génial, c'est génial, comme dirait Patrick. Allez mon Jean-Claude, allons hommes, mais c'est une péché. Gros kiss à la famille, gros kiss à tous. Bye bye, bon week-end. Merci ma fille, je t'aime. Très belle intro, très belle intro. Tu vas m'en refaire pour mon film ou pour d'autres. Et attention, la semaine prochaine, il y aura sûrement un petit documentaire sur le plus beau métier du monde, Mimora. La cape Mimorabu est morte. Mimorabu ne meurt jamais. Il est un peu comme son éléphant Aristote. Un éléphant meurt, mais ses défenses demeurent. Bon, les dents à Michel, ils ne demeurent pas trop. Kiss sa famille.